et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Dès la rentrée parlementaire de septembre prochain, le Sénat congolais va créer le groupe d'amitié Chine-RDC. L'annonce a été faite à l'ambassadeur de la Chine par le président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo, au cours d'une audience, mais peu avant de recevoir le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, en mission officielle à Kinshasa. Reportage Sandra Nyangi. Les projets de développement dans la province du Sud Kivu étaient au menu des échanges entre le président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo, et Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur de cette province. Le chef de l'exécutif provincial a profité de son séjour à Kinshasa pour solliciter des sages conseils et des orientations auprès du président de la Chambre des sages pour la bonne marche de sa province en se basant sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il signale l'amélioration de la situation sécuritaire grâce à l'implication des autorités nationales. Les avancées significatives sont également signalées dans l'exécution des projets à impact visible. Nous avons des projets d'infrastructure sociale, donc les écoles, et quelques centres de santé. Des travaux vont être lancés déjà au début de ce mois. Donc, les jours qui passent, nous voyons qu'il y a des projets de développement, mais aussi la paix commence à revenir. Ça, c'est la volonté des hautes autorités, les chefs de l'État, tout comme l'honorable président du Sénat. L'ambassadeur de Chine était aussi reçu en audience le même jour par Modeste Baati Lukwebo. Les questions liées à la diplomatie parlementaire étaient au centre des échanges. Dans ce chapitre, Modeste Baati Lukwebo a informé son hôte de la création du groupe d'amitié Chine-RDC dès la rentrée parlementaire de septembre. Saisissant la balle au bon, Zhu Xing a évoqué le sujet et entré à la coopération économique entre la Chine et la République démocratique du Congo avant d'annoncer l'envoi de plus de 400 000 doses de vaccins par son pays en République démocratique du Congo et ce, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. La problématique de développement de la province du Kwango, sujet évoqué lors de la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le caucus des élus de cette province, la délégation était conduite par le député national Jean-Pierre Passizapamba. C'est un reportage de Patti Tondogo, Marcel Mubenga et bienvenue le Sala. Les difficultés qui entravent le développement de la province du Kwango ont été exposées au Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, lors de son entretien avec les caucus des députés nationaux de cette province à la primature. Proche de Kinshasa, siège des institutions, le Kwango ne bénéficie pas des avantages qu'offre cette proximité et à cela s'ajoute son problème d'enclavement et des manques d'infrastructures. Vous savez que la province du Kwango et surtout la ville de Kyenge et la porte d'entrée et de sortie de la ville de Kinshasa. Nous avons épinglé avec son Excellence Monsieur le Premier ministre les problèmes qui concernent l'électricité, l'eau, les problèmes de la santé, surtout avec le congé et la fièvre typhoïde, ou en ce qui concerne les désenclavements, parce que c'est la source du développement. Que le Premier ministre était très attentif et très positif. Ce caucus a eu des assurances du chef de l'exécutif national qui a promis des solutions à sa requête car le Kwango figure parmi les provinces dont les territoires vont bénéficier des projets d'investissement du gouvernement. 67 otages ont été libérés de mains de groupes armés opérant en Ituri sur la route nationale numéro 4. Les forces loyalistes continuent à traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Reportage. C'est en profondeur dans la zone d'Ofaï sur la RN4 pendant la poursuite de l'ennemi que ces 67 otages, dont 5 femmes et 8 enfants, ont été récupérés par l'armée. Témoigne-t-il ? Si le militaire n'arrivait pas, c'était notre mort. Il s'agit de rescapés d'un mercredi dernier par les rebelles ADF sur la route. Commandant Luna, ses compatriotes ont passé nuit au camp militaire. Ils ont bénéficié d'une prise en charge par les autorités militaires. Nous avons fui en brousse, 4 heures du temps en errance. Les militaires nous ont trouvés, ils nous ont donné à manger et nous ont escortés jusqu'ici. Ils ont réussi le frais de transport pour atteindre la destination.
a dit l'administrateur militaire du Rumu, le colonel Siro Simba. Nous travaillons jour et nuit pour mettre fin à l'insécurité dans la zone. Le trafic doit reprendre normalement, sans escorte. Non, librement, parce que Ngongawana doit assainir l'environnement. Du coup, le trafic avec le convoi de l'armée a repris sur les tronçons routiers. Commandant Luna, plus de 300 véhicules bloqués de part et d'autre ont été escortés par les soldats loyalistes sous le commandement du général Mugisha Muleke. Les troupes des FARDC dans les provinces placées sous état de siège sont moralement. Le chef d'état-major général adjoint en charge de renseignement s'y est rendu et a encouragé les troupes à plus d'engagement. Oscar Balkaïch. Des officiers supérieurs militaires se succèdent dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en état de siège. À l'étape de Bounia, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements a pris langue avec les commandements du secteur opérationnel de l'Ituri pour booster le moral des hommes des troupes engagés sur la ligne de front. Nous sommes venus pour assister à une réunion pour la mutualisation de forces entre les deux provinces parce que les deux provinces partagent des moments un ennemi commun que vous connaissez. Alors il faut qu'il y ait une préparation avec une mutualisation de forces pour combattre cet ennemi-là. De Bounia, le lieutenant général Jean-Claude Yave, en compagnie du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyankashama, s'est rendu à Beni dans la province du Nord Kivu. Sur place, les chefs d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Jean-Claude Diave, a présidé une réunion avec les commandements militaires, réunion élargie à la MONUSCO pour mutualiser les forces afin de mieux traquer l'ennemi. Les forces armées de la République sont déterminées à en finir avec les EDF et leurs complices congolais qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie de la République. Autre chose à présent, au bout de 3 jours de travaux, la 4e session de la grande commission mixte RDC-Burundi s'est clôturée par la signature de quelques accords, notamment dans le domaine de transport aérien, ferroviaire, la pêche et les hydrocarbures. Reportage Vital Pagabita. L'axe Kinshasa-Bujumbura se renforce. La coopération bilatérale prend son envol décisif grâce à la volonté affichée par les deux chefs d'État, a rappelé Didier Mazenga Mukanzu, ministre de la coopération régionale et de la francophonie. Les travaux de cette 4e session ordinaire ont permis aux experts de nos deux pays non seulement de passer en revue les actions de coopération déjà réalisées, celles en cours de réalisation, mais aussi d'examiner les nouvelles opportunités de coopération. Pour les Burundais des affaires étrangères, Albert Shinginzo, la tenue à Kinshasa de la 4e session ordinaire de la Grande Commission mixte est l'expression du partage des valeurs communes de paix et du développement de deux pays et renforce de ce fait une coopération sud-sud des plus exemplaires. D'où la signature d'un accord général de coopération reprenant plusieurs domaines dont les commerces frontaliers, les voies aériennes, les voies ferroviaires et lacustres, la pêche sur les lacs Tanganyika, le rapatriement de réfugiés. Ajoutez à cela les mémorandums d'entente sur la formation diplomatique. Dans les communiqués finaux, il a été fait mention de la mise en place d'un comité permanent de suivi des accords, et cela en présence du vice-ministre des Affaires étrangères et du gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bidje. Un échange de cadeaux surprises a rehaussé les degrés d'amitié et de fraternité entre les deux peuples résolument tournés vers la paix et le développement. Et un autre accord bilatéral a été signé entre le ministère de Transport, Voies des Communications et des Enclavements et cette délégation de Burundi. Reportage Oscar Mbal. Qui rassure toutes les deux parties. Voilà pourquoi la délégation congolaise et celle du Burundi n'ont pas hésité à apposer leur signature au bas de ces documents. En RDC, le ministre de Transport, Voies des Communications, Chéribin Okinde, qui a engagé le pays, et du côté burundais, c'est son ministre des Affaires étrangères, Albert Shingira. Cet accord bilatéral qui vise l'exploitation des espaces aériens vient de renforcer celui de 2016 qui contenait encore quelques lacunes. Raison de sa
en application la construction des ponts aériens pour relier plusieurs villes des deux pays en vue de faciliter les échanges commerciaux. C'est l'un des points forts contenus dans cet accord. Présent également à cette cérémonie, le ministre congolais de l'intégration régionale explique les contours de cette nouvelle entente. Celui-ci devient beaucoup plus large, permet la RDC au Burundi d'établir des ponts aériens entre le Burundi et la RDC à partir de plusieurs villes, pratiquement sur tous les points d'entrée dans nos deux pays. La RDC fera tout pour l'application concrète et rapide de cet accord, a fait entendre Chérubin Okindé. Vous devez être rassuré. Au niveau de la République démocratique du Congo, nous ferons tout le nécessaire pour l'application concrète de cet accord. Cette signature intervient en marge de la quatrième session de la Grande Commission mixte RDC-Burundi, tenue dernièrement à Kinshasa. C'était un reportage de Eric Kabamba et Myriam Madika. Dans le secteur de la justice, le procès sur le meurtre du commandant Légion nationale de la police d'intervention rapide s'est ouvert le mardi dernier au tribunal militaire de la garnison de Lima. Dans une audience foraine, le colonel Polydor Kasongo a trouvé la mort d'une balle de sa garde dans un embouteillage à Pompage. Marie Kalong pour d'autres précisions. Drame meurtrier le dimanche 29 août 2021 au quartier Pompage, 14h30 au presque sonné, le colonel Polydor Kasongo, pasteur à la paroisse de Ngiringiri de l'église La Louange, est abattu par inadvertance par son propre garde du corps venant du culte. Le policier de rang, Sefou Mambounangoro, et son chef se retrouvent ainsi dans un embouteillage. La garde du corps Sefou s'interposer pour rétablir la circulation. Une chaude altercation due à l'incompréhension entre policiers et motards a tourné à la dispute. Dans cet échange, l'arme AK de l'agent de police a retenti. Le colonel Kasongo est atteint d'une balle dans les côtes. Le colonel Kasongo est évacué vers l'hôpital de Ngaliema Saint-Terre où il a rendu l'âme. La garde, auteur de ce forfait, est maîtrisée par l'OPJ Ouangoukou Jérémy, capitaine de la police de roulage, témoin du drame, pendant que le co-auteur prend la fuite. Le procès ouvert ce mardi autour de ce drame a été reporté pour le 13 septembre 2021. Mais déjà, le policier meurtrier calme son innocence devant le juge du tribunal militaire de la garnison de Ngaliema. L'éradication de la patidrie en RDC a fait l'objet des échanges entre la ministre d'État de la Justice et la représentante du HR. Elle est venue solliciter auprès de la ministre l'implication de la RDC dans le processus qui conduira à l'éradication de la patidrie, autrement dit les personnes reconnues comme ressortissants d'un autre pays. Mamikadima. La ratification des conventions sur la patrie par la République démocratique du Congo fait l'objet des échanges entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, et la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies, Madame Liz. Les hauts fonctionnaires de l'ONU ont informé la ministre d'État du travail du comité technique ad hoc dont fait partie la ministre de la Justice sur l'éradication de la patrie en RDC. Madame Liz a profité cette séance de travail pour solliciter à Rose Mutombo l'implication de la RDC dans les processus qui conduira à l'éradication effective du statut d'apatridie d'ici 2024. Nous sommes venus solliciter son soutien pour qu'on puisse signer les conventions contre l'apatridie et pour qu'on puisse entamer un travail qui devrait aboutir à l'éradication de ces statuts d'apatride. Les HCR a mandat pour les réfugiés des personnes considérées comme des apatrides, autrement dit les personnes reconnues comme ressortissants d'aucun pays. La commission chargée de l'évaluation de ces deux lois sera mise en place, a affirmé la ministre à son interlocuteur. Cette commission ad hoc va analyser aussi la feuille de route devant dégager les propriétés après examen de ces lois. Les conclusions seront ainsi présentées au Conseil des ministres, car la République démocratique du Congo compte un nombre estimatif important d'apatrides. Point de presse du porte-parole du gouvernement, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, a donné les détails sur la pollution de la rivière Kassai. Nous avons commencé à préparer l'appui,
l'appui à toutes ces questions, une riposte humanitaire, parce qu'on était d'abord en train de contenir la population à ne pas utiliser l'eau, mais il fallait leur donner de l'alternative. Nous avons vu avec la régie des eaux, mais la régie des eaux à Chicapa ne dessert pas tout le monde en eau potable, et voilà pourquoi le gouvernement a entre-temps a pris les mesures d'une mission que j'ai conduite. C'est, on l'a fait de manière séquentielle. Je suis allé au nom du gouvernement apporter le message de solidarité du chef de l'État, du Premier ministre, du gouvernement central, aux populations touchées, et aussi une mission scientifique accompagnée d'une mission humanitaire, parce que j'étais en même temps accompagné des experts qui jusqu'à présent sont là-bas. Ils ont déjà investigué les prélèvements des eaux, du sol, des sédiments et les questionnements pour avoir tout le reste, travaillant en collaboration avec les scientifiques de la régie des eaux, les experts de la régie des eaux, ainsi que le médecin chef des zones. Des 10 zones de santé, 13 sont touchées. Voilà, la situation se présente de cette façon-là. Et poursuite de la mission de la délégation gouvernementale à Chicapa, le ministre des Affaires sociales, Modesto Mutinga, s'est rendu à l'orphelinat Le Cœur d'une Femme Mère, où il a remis quelques dons symboliques. Edith Chala. La délégation du gouvernement central, se trouvant dans le Kasaï à Chicapa, poursuit sa mission sans désemparer. Sur le plan sectoriel, le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Mutinga, a rendu visite à l'orphelinat Le Cœur d'une Femme Mère, auquel il a remis quelques dons symboliques en prélude de la grande distribution à intervenir sous peu. Cette structure est dénommée Le Cœur d'une Femme Mère, qui est composée de deux branches. Branche orphelinat. 2. Branche de femmes veuves. Notre structure a des difficultés pour son bon fonctionnement. Pour les orphelins, manque de mousse et de couverture. Les bébés, les frais de location et les soins médicaux. L'effet de scolarité. Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, maniant la langue locale, a rassuré de la volonté du président de la République de résoudre les problèmes qui minent le développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Rehausser le niveau de vie des populations par une agriculture moderne, un secteur qui va permettre d'industrialiser le pays, tel est le vœu de la Banque africaine de développement par le touchement de son directeur général en séjour de travail à Kinshasa. Il a échangé avec le ministre de l'Agriculture, Marc Mangazi. La vision du nouveau gouvernement en matière de transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo, c'est l'un des sujets traités au cours de cette séance de travail. Les grands projets innovants et cette enveloppe d'environ 200 millions de dollars américains pour accélérer son exécution dans les deux prochaines années et que la population en soit la première bénéficiaire. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga-Birionzi, a indiqué l'importance d'avoir un cadre de financement du secteur agricole propice et adapté avant d'évoquer les grands projets qui sont dans et qu'il va falloir à tout prix relancer avec une contribution du secteur privé national et international. Le directeur général de la BAD, Nguyen Serge-Marie, n'a pas manqué de saluer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de transformation du secteur agricole. Avec le président Tshisekedi et son gouvernement, nous sentons un renouveau et surtout une dynamisation de la coopération du Congo avec la communauté internationale. Nous souhaitons que cette fenêtre d'opportunité soit mise à profit pour permettre de lancer les grands projets de développement de ce pays et que le Congo que nous connaissons, le Congo à fort potentiel, se positionne non seulement en Afrique centrale, mais sur le continent comme un pays leader dans le développement économique de ce continent. Pour la BAD, l'agriculture en Afrique centrale doit être le secteur qui facilite la diversification économique. Redynamiser la coopération du gouvernement congolais avec les partenaires au développement, tel est l'objet de la rencontre de ministres d'État en charge du plan avec les experts de la Banque africaine de développement. Rassurer les partenaires et aborder des questions stratégiques au développement pour une coopération efficace,
Telle est la démarche initiée par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba. À ce sujet, le ministre en charge du plan était à séance de travail avec les experts de la Banque africaine de développement, les directeurs généraux et les coordonnateurs des structures du plan. Occasion pour l'ABAD de saluer ses leaderships du ministère du plan dans la poursuite de cette coopération. Et nous avons d'abord félicité le ministre du plan pour sa nomination à ce poste très important et saluer la vision du chef de l'État d'avoir opté pour un ministère du plan, un ministère d'État. Donc il relève l'institution de la planification dans le développement du pays à un niveau déjà protocolaire important. Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre des échanges entrepris par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, afin de redynamiser la coopération du gouvernement congolais avec les partenaires au développement. Des horizons meilleurs dont la coopération entre la RDC et la Chine. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, s'est entretenue avec l'ambassadeur de la Chine en RDC. Au menu, le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation et apprentissage des métiers. Cédric Kenina. Une main-d'œuvre qualifiée. La RDC et la Chine y travaillent pour poser les jalons d'un développement harmonieux. Le diplomate chinois en poste à Kinshasa, Zhu Xing, qui a examiné avec la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, un certain nombre de projets en termes de construction des infrastructures et renforcement des capacités dans le domaine si important de l'apprentissage des métiers a été clair. La Chine restera aux côtés de la RDC à travers une collaboration étroite, a rassuré les diplomates chinois. C'est que, comme c'est un des pays les plus peuplés de l'Afrique, avec l'amélioration, le renforcement de la formation professionnelle, la RDC sera non seulement une grande puissance économique, mais aussi va donner plus de contribution au rayonnement de l'Afrique dans le monde. On a parlé beaucoup de projets, beaucoup de idées sont beaucoup de réflexions qui sont menées. Le consensus qu'il y a une grande complémentarité. La patronne de la formation professionnelle compte faire de son secteur qui prend ses marques l'un des piliers du développement de la RDC. La Congolaise de voie maritime a été dotée dernièrement d'une drague pour faciliter la navigabilité. Le chargé de logistique du chef de l'État a assisté au cycle complet de dragage à Boma dans le Congo central. Malumbela. La voie maritime est la voie principale par laquelle la RDC exerce les échanges commerciaux et reste reliée à d'autres pays du monde. Voilà pourquoi le chef de l'État y accorde un intérêt particulier en dotant la Congolaise des voies maritimes d'une drague pour faciliter la navigabilité. Depuis la mise en service de cet engin d'une importance capitale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son assistant logistique à Boma, dans le Congo central, pour s'imprégner du fonctionnement de cette drague baptisée Fachi, d'une capacité de 4300 m3, 26 pieds avec 9 mètres de profondeur. Dans cette zone navigante, Osei Tumbimbi, Jean-Paul Moulamba, a assisté au cycle complet de dragage intensif. Très impressionné par la dextérité avec laquelle l'équipage à bord travaille, l'assistant logistique du chef de l'État, Jean-Paul Moulamba, est sorti rassuré de la qualité de la navigabilité du bief qu'effectue la CVM jour et nuit. D'abord voir comment fonctionne cette drague, voir les conditions de travail du personnel. Je sais que cette drague a été achetée par le chef de l'État. Va contribuer à relancer la province sur le plan de l'économie. À l'étape des bananes, l'hôte de la CVM a eu droit aux explications du trafic maritime avant d'entamer une autre visite au sein des installations du chantier naval de la CVM. Pour le comité de gestion de la CVM, ce passage est salutaire, aussi bien motivateur. C'est pour nous une marque d'attention, une marque de considération que la haute autorité du pays donne à la CVM. La ville de Lissala, chef de
La province de la Mongala sera dotée d'une aérogare moderne. La cérémonie de pose de la première pierre de cet ouvrage a eu lieu le lundi dernier à Lissa. Cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire de la Mongala, Serge Mongoulou. C'était en présence des notables de cette province. Nicole Sessep. Après la pose de la première pierre pour la construction d'une aérogare moderne à Lissala, le gouverneur intérimaire de la Mongala, Serge Mongoulou, a réceptionné le premier lot de la cargaison des sacs de ciment pour la réalisation de cet ouvrage. C'était au port de la SCPT ex-Onatra à Lissala, en présence du ministre provincial des ITPR, ses collègues de la santé et du genre, ainsi que la population qui a fait les déplacements jusqu'au port pour vivre cet événement. Dans son mot des circonstances, le chef de l'exécutif provincial a salué la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la construction des infrastructures routières à travers le pays. Serge Mongoulou a aussi félicité M. Germain Kodjo, directeur général de la société 4 Project Africa, l'exécutant pour son accompagnement dans la concrétisation de ces projets. Projet auquel le gouvernement provincial de la Mongala focalise toute son énergie. À noter que la société 4 Africa Project va également procéder à la réhabilitation de l'axe routier Lissala, long des 190 km et au bétonnage de la route principale de l'aéroport de Lissala dans la province de la Mongala. Les questions des dessertes en eau potable et électricité dans les communes de Ngaliema, Selembao et Mongafula vont bientôt connaître un début de solution. Le ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mouindé, a rassuré au cours d'un échange les délégués des communautés locales. Reportage Oscar Mbalkaïch. Ils ont fait 15 ans sans fourniture en eau potable. Les habitants d'Embiza Telecom n'arrivent pas à expliquer cette situation qui n'a que trop duré. Situation similaire dans quelques autres quartiers de Kinshasa qui sont desservis par intermittence. Ces tuyaux datent de l'époque du maréchal Mobutu, qu'on vienne les remplacer. La population locale s'est constituée en comité de plaidoyer auprès des instances décisionnelles. Ces délégués de Ngaliema, Mongafula et Selembao ont sollicité et obtenu des rencontres avec les ministres des Ressources hydrauliques et électriques, Olivier Mouinze Moukaleng, pour des solutions idoines. Et nous sommes satisfaits d'abord d'être ici aujourd'hui par les ministres. C'est un échange fructueux et nous les remercions d'abord parce que c'est pour la première fois. Nous avons écrit plusieurs fois et même aux ministres qui l'ont précédé, nous n'avons jamais eu écho. Il nous a promis qu'il reste disponible pour trouver les solutions aux problèmes de la population. Il nous a même dit que d'ici là, il va faire des visites d'inspection pour palper du doigt les problèmes de la population, faire que les instructions soient données et voir comment, dans la mesure du possible, donner la solution. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze, a rassuré ses hôtes de la prise en charge de ces questions et promet des descentes sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la suite réservée à ces problèmes. L'UNOPS appuie le programme d'amélioration du système sanitaire en République démocratique du Congo après la construction des centres de santé dans les zones d'accès difficiles des provinces. Cet organe du système de Nations Unies a remis un important lot de matériel informatique au programme élargi de vaccination. Ce matériel va faciliter la collecte d'informations sanitaire pour une bonne couverture vaccinale des femmes et des enfants en RDC. Eugénie Dadachabani pour le reportage. Ces matériels informatiques achetés par l'INOPS avec les fonds Gavi, remis par l'INOPS au programme élargi de vaccination PEV, matérialisent la troisième phase du programme d'appui à la réforme du système de santé en République démocratique du Congo. Pour Elisabeth Munkamba, le directeur national des PEV, c'est donc apport à l'amélioration de son système d'information sanitaire. À cela s'ajoute l'appui de l'INOPS à l'amélioration de la chaîne de froid pour la bonne conservation du vaccin. Ces matériels informatiques vont faciliter la collecte et la transmission des données de qualité dans les zones de santé et antennes PEV
pour permettre à tous les enfants de la République démocratique du Congo d'avoir accès à la vaccination. Pour sa part, le représentant de l'UNOPS a rappelé les différentes phases de ce programme tout en réitérant le soutien de cet organisme et des systèmes des Nations Unies. Les soucis de l'UNOPS et de sauver la vie des enfants et des femmes en République démocratique du Congo et aussi de permettre aux communautés des régions d'accès difficile de bénéficier des soins de santé de qualité. Pour sa part, le représentant du secrétaire général à la santé a exprimé sa gratitude à l'INOPS et à Gavi, des grands partenaires de la RDC, pour non seulement la construction des centres de santé et surtout l'appui de la conception de la cartographie des zones de santé et des chaînes de froid dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ce journal, merci de l'avoir suivi. Le journal a été réalisé par Luison Moulongoy et Mamita Bangoulou et la partie technique est assurée par José Nzenzo et Redin Poyi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC.